Ok. Bonjour, je dis nous là pour un cours informatique. C'est dans Windows, introduction à Windows. Donc, on fait un cours informatique. Ok. Donc, on va laisser sur Microsoft Windows. Microsoft Windows est un logiciel d'exploitation. Il y a une interface graphique, c'est un système multitâche, ça veut dire occuper plusieurs tâches. Windows, en tant que système d'exploitation, lui permet de configurer composantes machines, permet d'installer l'autre programme sur lui, permet d'intégrer plusieurs utilitaires avec ressources multimédia. Par exemple, Windows Media Player pour écouter CD. Regarder des vidéos, t'as des radios par internet. Bon, nous allons essayer de démarrer l'ordinateur donc sur Windows. Pour démarrer l'ordinateur sur Windows, faut que tu fais tape ça. Assure que tout appareil est connecté. Limite tout d'abord boîtier ordinateur là, par bouton power là. Après ça, allumer écran. On fois tout fin allumé comme ça. Windows a manifesté et puis il apparaît sur l'écran. Après ça, la vinbow, il y a un bureau qui c'est desktop, menu de travail la même. Ça le bureau pour toi flèche là clignoté. Donc après il finit lui met comme ça. Pour étudier environnement Windows, on va dans menu démarrage là. Ça y est, bouton start, bouton démarrer, tu cliques sur lui et puis la bon ça. Après ça, nous avons ça qui c'est la barre des tâches, mais ça qui c'est barre des tâches, pour trouver flèche. C'est barre des tâches. Barre des tâches, ça, il y a plusieurs icônes, il y a menu start, il y a Microsoft Edge, ça c'est pour internet, il y a File Explorer. Avec ça, c'est au même qui pour pignon dans la barre des tâches là. OK? Après ça, nous avons icône Recycle Bin qui c'est ou belle en lui-même. Après ça, nous avons icône computer qui c'est 10 PC. Nous avons network et puis nous avons contrôle panel. Ok, ça y est, fini à Windows. Là. Ok, quand y a icône computer là, lui-même ordinateur là, même computer là, il représente poste travail au sous bureau. Il permet d'organiser le système et gérer documents avec dossier. Nous avons icône Recycle Bin. Recycle Bin ou corbeille ou bien poubelle. C'est là où garder tout fichier ou détruit temporairement. Par exemple, ça, on fait clic droit sur lui. Et puis, on va delete. Là, il y a une corbeille. Soit la corbeille là, on va venir. On détruit fichier ça temporairement, mais on peut détruire définitivement. On a si vous voulez retourner, on fait clic droit sur lui pour cliquer sur Restore. Si ma sub encore m'a joindre. OK, mais si moi voulez moi ca créer un autre fichier meni. OK, me créer fichier ça par exemple, m'a dit m'a delete ça. Là moi fin delete li comme ça temporairement, m'a venir dans cobaye là. Là mal dans cobaye là, fait clic droit sur lui et puis me delete li encore. Kounya fichier ça me delete là m'a tout pas joindre sur ordinateur encore dit tout. Ça veut dire me vinn delete li définitivement. Mais si vous dites le temporairement quitter le dans cobaye là ou pas dire le dans cobaye là, ou ap ka jwenni peu importe le ouvri. Après ça, nous gen flèche ça qui est le pointeur. Donc, ouais, pa m'en paraître en forme yon même monde. Donc, si vous voulez, m'ka mette en forme flèche. M'ka bal n'importe forme mwen vle. N'ap get en wè ça dans l'autre couyo pi devant. Pour un mesure pour naviguer à l'intérieur, environnement ça, fokou gen sa yon le souris qui se mouse en anglais. Pour utiliser souris, l'utilise en Windows. Avec l'environnement graphique là, il représente pointeur qui c'est flèche, pointeur ça. Chaque moment il sourit, ouais, pointeur ça marche. Le web travail, sourire, il y a 5 opérations, il fait. Ou bien pointer un objet, ça il le mettre sur lui comme ça, ouais, objet il vient petit carré, il met sur lui, il vient petit carré sur lui. Ça il le pointer objet. Le cliquer sur objet, ouais, le cliquer sur objet, c'est le faire comme ça. OK. OK, qu'on y a nous va cliquer sur objet, cliquer sur lui. Mais exactement cliquer sur lui, nous font deux clics sur lui, il ouvre.
OK, sur il va permettre de pointer, cliquer, faire double cliquer. Il va mettre draguer, tout draguer assez le fin pointer comme ça et puis on fait clic droit, clic gauche et on fait clic. Après ça on déplace souris, on déplace et puis il a tout déplacé avec tout. OK. Après ça, il permet de faire un clic droit. Là on fait une pointe comme ça, on fait un clic droit sur lui et puis là bon menu ça relé menu contextuel. Ça les menu contextuel, OK. Et puis là bon menu ça au cas font paquet de bagages vous voulez sur lui, n'a pas été tout ça au pied devant. OK. Bon ça, côté refresh là, ça c'est le background. Ça le background, ça est bureau, espace de travail. OK, qu'on y a là nous pour aller. Comment y ouvrir un objet sous bureau? OK. Avant pour ouvrir un objet sous bureau, il y a plusieurs façons. Première façon, on clique sur objet et pour peser enter et puis là pour ouvrir pour enter à une clavier machine, on va pour toucher marqué enter qui nous flèche sur lui. Deuxième façon, pour font clic droit sur pointer objet et pour font clic droit après on clique sur open, ouais, il ouvre encore. Troisième façon, on fait double cliquer sur objet. OK. Il y a nous va passer dans étude des fenêtres. Donc identification des différentes parties d'une fenêtre de travail. Donc fenêtre de travail là, donc m'a pas ouvert une fenêtre de travail pour nous. Nous va dans menu start, démarrer et puis nous va sur notre pad. OK. Mais une fenêtre de travail. Là, quand vous marquez un titre de Notepad, ça c'est barre de titre. Ça est barre de titre. Barre de titre. Ça est bouton de contrôle. Quand vous flèche dans le sous-titre, bouton de contrôle. Ça aussi barre de menu. Là, et barre de menu. Là, c'est bouton détail et de fermeture. Là, minimiser, ouais. Là, maximiser, les plus gros. Et puis ça, c'est bouton fermeture là. Là, ça relie ascenseur ou bien barre de défilement. Et puis ça, c'est bordure fenêtre là, hein. Bordure fenêtre là, hein. Et là, les voilà, la bonne flèche de tête, tout cas fait le plus gros petit. Ça relie bordure fenêtre. Mais ça a un bouton de fermeture, ouais, il ferme. OK. Ça on fait notre de travail. Mais gain fenêtre à boîte de dialogue, par exemple si nous faisons ça. Ça son fenêtre à boîte de dialogue parce que après ça à boîte de dialogue, ça a plusieurs dialogues tout ça. Sous ouvert ça, il supposé bon un bagaille. D'accord? Ça est fenêtre à boîte de dialogue. Donc kounya c'est comment on fait ou fermer une fenêtre. Donc yon fenêtre pour fermer fenêtre là, il y a diverses façons. Première façon, ou cliquez sur bouton close menu. Cliquez sur ça ou fermer fenêtre là. OK. Kounya deuxième façon, ou cliquez sur case système là, quand on clique là et vous faites close. OK. Troisième façon, faire combinaison Alt, ou voir sous machine, ou touche qui marque Alt, ou fait Alt, ou quitter le doigt sous lui. Après ça, ou peser F4 avec l'autre doigt et puis la fermer pour vous. OK. Bon, l'autre façon encore capable de fermer, meni, ou aller sous barre des titres là, ou font clic droit, meni, font clic droit et pour peser Close. OK. Kounya nous va aller comment ou fermer ou bien éteindre l'ordinateur. Pour éteindre ou bien fermer l'ordinateur, on sous bouton démarrer hein, et puis voilà. Vous cliquez sur petit fléchette ça. Si vous voulez changer utilisateur parce que vous avez un ordinateur qui a 2-3 utilisateurs sous lui. Plusieurs monde qui a fonctionné sous lui ou change sous ça changer utilisateur. Si vous voulez fermer la session de travail, là, sur ça. Si vous voulez verrouiller, sur ça. Vous voulez redémarrer, vous cliquez sur ça. Après, vous cliquez là.
Si vous voulez mettre l'envers, vous cliquez là. Et puis si vous voulez arrêter, vous venez cliquer sur arrêter et puis là éteindre pour normalement. OK, meilleur ordinateur capable de plusieurs postes de travail. Donc on a comment vous créer un folder sur un ordinateur. Donc vous font clic droit sur un espace vide sur bureau là, vous font clic droit. Et puis m'aller pointer new, je dis pointer new. Sous même côté pointer new là, tout fait flèche là sur les vous venez sur folder. Et vous cliquez sur lui, il va new folder. Donc si vous voulez vous ca changer nom, par exemple moi m'va mettre ko là. Exact, mais qu'il y a si pour ça bon. Pour faire changement ça, là vous finir comme ça, ouais, il faut que j'aime activer, faut que cliquez sur enter ou bien cliquez sur n'importe espace vide encore ou bien cliquez sur icône et puis il est en normal. Pour déplacer un fichier ou draguer, mais ou draguer li, ouais, ou draguer ou mettez là, mettez moi comment pour draguer tout à l'heure, ou draguer ou mettez là. Konya c'est comment arranger icône sur bureau. Ou font clic droit sur bureau. Dans menu contextuel là, ou pointer sort by et puis ou do name, sous cliquer sur lui. Il y a pas arrangé par nom, pas sous cliquer sur size, il y a pas arrangé par size. Sous cliquer sur item type, il y a pas arrangé par type de fichier. Sous cliquer sur date modifiée, là arrangé sur date de modification. OK? Il y a comment créer un fichier texte. Donc pour créer un fichier texte, il suffit de vous faire un clic droit et vous pointer new. Et pour aller sous texte document menu, il y a bon côté pour modifier non nom. Sous le cas, mettez-moi, je mets 3N, 1, 2, 3. Et puis, soit je clique sur icône ou bien je fais Enter ou bien je clique sur espace vide. Je clique sur espace vide, ok? Ouais, comment il est normalement. Il y a comment créer un document Word. Fait clic droit encore, fait New. Et pour aller sur Microsoft Office Word document, il y a bon modifier. Ça, quand vous mettez école sous lit. Ouais, et puis tout ou fait enter sur les li normal. Comment renommer un fichier ou bien un dossier ça li a? Ou vin là ou cliquez sur lui ou font clic droit et pour aller sur rename et vous mettons l'autre nom, on mettez 3V et puis le normal. Ou bien vin ou cliquez sur lui ou peser touche F2 a. Ou après nous touchons les net, après ESC ou bien F1, après soit bien F2, cliquez sur F2, puis bon, oui, nous mettons 3M Gounia. Ouais, normalement, oui, il est fini. Il est fini. Ok, comment vous supprimez un fichier ou bien objet? Donc, nous avons montré déjà tout à l'heure, vous faites comme ça, et puis vous faites delete. Mais là, il delete temporairement parce que il est encore là. Si vous avez un problème, vous avez besoin. Mais si vous avez un problème, vous avez besoin de delete les net. Vous faut cliquer droit sur lui. Et vous faites delete. Vous avez tout delete sur l'ordinateur définitivement. Ok? Vous avez un film. Un film, vous avez besoin de delete les net. Vous avez besoin de restaurer le. Vous avez besoin de restaurer pour le vin là encore. Ouais, si vous avez besoin de restaurer ça pour le bureau, vous faites clic droit sur le restore. Ça, vous faites clic droit sur le restore. Et puis vous avez besoin de bureau encore. Mais vous retournez sur le bureau encore. Vous avez comment vous êtes capable de supprimer tout fichier que vous avez. Par exemple, si vous avez besoin de tout fichier, vous faites clic droit sur le bureau là. Et vous cliquez sur un petit recycle bin. Tout aller net. Comment ou afficher ou masquer icône qui sous bureau? Il suffit que vous fassiez clic droit dans menu contextuel là, ou pointer view. Lorsqu'on pointe view, vous cliquez sur show desktop icône. Ouais, tout icône yo pas là encore. Si vous voulez faire pareil, vous faites clic droit encore, vous cliquez sur view et puis vous allez sur show desktop icône encore et puis après tourner encore. Vous voyez? Comment choisir dimension icône? Vous faites clic droit. Exact. Là, vous faites clic droit. Vous allez sur View. Là, vous allez sur View. Vous prenez large icône. Vous prenez Medium icône.
y a une en moyenne ou un small icône. Il y a une petite icône. Ou bien auto arrange icône, il y a pas arrangé automatique pour. Qu'on y a comment on crée un dossier à l'intérieur de un sous-dossier. Nous te créons un dossier tout à l'heure, on te dit les lignes, m'a créé un autre dossier, OK. En deux dossiers ça, nous fait deux clics nouvelles. Qu'on y a nous vienne là, nous font clic droit et puis nous prend new et puis nous font l'autre sous-dossier en dedans, mais ni. On dit là là, nous venons l'autre sous-dossier en dedans encore. Ça relie sous-dossier. Comment copier un dossier? OK, première façon, n'a prend dossier ça n'a copier sous bureau qu'on y a. Nous font clic droit sur lui et puis nous prend copier. Et puis nous sorti, nous venons là, nous fait paste, mais il copier manuel, il copier là. Là si nous voulons couper, OK, ça va le déplacer, on fait cut et puis nous venons là. Et bien nous faire paste living là ou bien tout faire live pour peser ou faire contrôle si ou faire CTRL ou quitter doit tout sous lit après ça on peser C là et puis tout venir côté vous le mettez là côté vous le mettez là on fait contrôle V ou faire CTRL ou quitter on doit sous lit après ça on peser V et puis li copier pour vous là nous gagnons folder et puis nous gagnons folder copie.